un autre. Hein. Non, mais donc voilà, la frustration a vraiment été généralisée. Je pense qu'il y a vraiment eu un sentiment d'arrogance. On s'est senti, il y a énormément de gens qui se sont sentis blessés. Ça fait 14 semaines qu'on manifeste tous les vendredis dans les rues. Puis là, le fait d'avoir cette question-là, parce que oui, il faut s'adapter au changement climatique, c'est un fait, c'est une réalité. On ne va pas endiguer les changements climatiques comme ça, dans leur entièreté. Par contre, le fait de pouvoir s'adapter dépend... Pour être capable de nous adapter, il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre pour réduire l'ampleur des changements climatiques. Donc, je pense qu'il y a énormément de jeunes qui ont été extrêmement frustrés, ouais. Puis qui l'ont pris comme vraiment un pied de nez de la part du gouvernement qui n'adopte pas non plus à leurs yeux les mesures nécessaires à leur garantir un avenir. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'étudiants de secondaire 5 qui m'en ont parlé. J'en ai dans ma famille, dans des événements, dans mon comté à Chambly, partout. J'ai entendu à peu près ça. Première réaction, j'ai dit, écoutez, c'est pas moi qui ai rédigé cette question-là. J'étais pas au courant. Hein. C'est pas une question de l'examen qui découle d'une politique gouvernementale. Absolument pas. C'est une question de français. Les fonctionnaires qui l'ont préparé se sont dit, ah, bien, on va le faire sur l'environnement, c'est un thème porteur. Je vais vous dire, je trouve ça très maladroit. Je ne l'aurais pas écrit comme ça. Si c'est moi qui avais écrit cette question-là, n'aurait pas été comment on peut faire pour s'adapter au changement climatique. Ceci étant dit, moi, j'ai trouvé ça intéressant, la réaction des jeunes. Même si ce n'était pas ma question, mais c'est une réaction à la question. Je me suis dit, c'est formidable parce que il n'y a pas de résignation. C'est le ressort de l'indignation. Si l'action du gouvernement avait été suffisante à leur vie. Ouais. Donc là, maintenant, c'est le temps de prendre cette frustration-là parce que ces jeunes, ils sentent qu'on se fout de leur avenir, ils sentent qu'ils ne sont pas considérés. On est la société de demain et donc on attend de vous qui avez le pouvoir présentement, que vous preniez les décisions qui sont nécessaires. Donc voilà. La meilleure attente possible. Je pense que c'est ça qu'on veut faire. Sincèrement, prendre les décisions qui sont nécessaires. Il n'y a pas de résignation à l'intérieur. Ce matin, il y a eu un panel important. Monsieur Champagne, que vous connaissez sans doute bien, était là. Il a bien fait valoir... Ces points ont été applaudis à de nombreuses reprises par l'ensemble des militants, des gens qui sont membres de la coalition. Moi, je vous invite à continuer de vous mobiliser, à vous faire entendre, comme vous le faites en ce moment, de manière ultra respectueuse, c'est parfait. Il ne faut pas qu'on puisse vous ignorer. Il ne faut pas que les gens au gouvernement ou que les gens au Parlement puissent vous ignorer. Ceci dit, non, mais c'est très bien, c'est correct. Je veux dire, j'ai été dans le mouvement étudiant un certain temps, j'en ai organisé des manifestations. Je trouve que c'est une façon saine de débattre puis de s'affirmer. Je vous invite aussi à vous impliquer dans des partis politiques, la CAQ ou les autres, parce que c'est intéressant d'être à l'extérieur puis de l'influencer. Il y a quand même un paquet de gens à l'intérieur qui vont brandir leur carton, puis qui vont voter. Oups, ça, c'est une lettre que quelqu'un m'a donnée. Ils vont voter pour, ils vont voter contre des résolutions. Puis je ne vous dis pas de devenir tous membres de la coalition si ce n'est pas ce qui vous représente. Mais je vous invite quand même à militer pour votre cause et à vous impliquer dans des partis, sincèrement. Parce que ça se décide dans la rue, mais ça se décide aussi à l'intérieur. Pour ne pas être des victimes des décisions des autres. Voilà. Pas être, soyez pas des victimes. Jouez pas la victime. C'est votre monde. Et est-ce que vous sentez qu'on commence à être là avec, je pense, aux plus de 350 municipalités là, qui ont déclaré l'urgence climatique? Est-ce que vous sentez, vous, personnellement, peut-être à l'intérieur du Congrès, le sentiment d'urgence? Est-ce qu'il commence à habiter les membres de la Coalition Avenir Québec? Bien, je pense que le sentiment d'urgence, la nécessité de bouger, est ressenti. Il n'est pas question d'aller vers le statu quo. Il est question de développer des énergies vertes, de développer du transport électrique, d'aller vers la mobilité durable. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire plus de ce qui ne marche pas. On veut faire les choses autrement. Puis moi, je vous invite à continuer de vous exprimer. Puis on continuera. On va se reparler dans les prochaines semaines. Je dois y aller.